Salut à tous et bienvenue sur Gameblog.fr pour une nouvelle vidéo E3 2015. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait ça en direct du parking. Elle est nulle ma blague, mais bon, je l'assume. En fait, non, je suis devant la voiture de Mad Max parce que je vais vous parler, et je vous le donne en mille, de Mad Max. Alors, j'ai pu essayer sur PS4 le jeu Mad Max qui n'a, rappelons-le, aucun rapport avec le nouveau film ni avec l'ancienne trilogie. C'est une histoire totalement inédite. Alors, niveau gameplay, comment c'est? Et bien, quand vous êtes à pied et que vous vous battez à main nue, ben c'est un peu un système à la Batman Arkham, avec des enchaînements, des contres, etc. Quand vous êtes à pied, vous pouvez récupérer des objets qui vous permettront de construire des choses, des pièces de personnalisation de votre voiture et de l'eau. Parce qu'en fait, dans Mad Max, l'eau, c'est l'équivalent d'un bouclier. Une fois que votre réserve d'eau est vide, eh bien, votre santé baisse et vous pouvez mourir après ça. En voiture, par contre, c'est un jeu en monde ouvert, très très vaste. Moi, la démo que j'ai pu faire, la zone de jeu était déjà très grande et on m'a montré à la fin de la démo, on m'a montré la map totale et c'est vraiment très très grand. Là, y a des, quand vous conduisez, c'est un peu à la Red Dead Redemption, au coin de la route, vous allez vous retrouver face à des événements aléatoires, en fait, des voitures qui vont vous attaquer, etc. Des fois, vous allez devoir attaquer des convois. Et pour ce faire, en fait, vous avez accès en voiture à diverses armes. Vous avez par exemple un grappin qui va vous permettre d'arracher les pneus des voitures, un shotgun qui va vous permettre de faire exploser les barils et donc les barils d'essence et donc les voitures qui se trouvent en dessous, et une sorte de taser qui permet pareil d'endommager la voiture ennemie, le lance-flammes, enfin bref, vous avez accès à tout un tas d'armes. Et ce qui est assez original, c'est que vous avez une sorte de personnage qui est toujours accroché à l'arrière de votre voiture et qui lui attaque pour vous. En fait, c'est vous qui le contrôlez, mais c'est lui qui attaque. Et lorsque vous êtes endommagé, vous pouvez vous arrêter et lui demander de réparer votre voiture. D'ailleurs, lorsque vous descendez de la voiture, il répare automatiquement. En tout cas, après tout le hype qu'il y a eu autour du dernier film, c'est vrai que c'est vachement sympa de pouvoir jouer dans l'univers de Mad Max. J'ai malheureusement pas pu voir grand chose au sujet de l'histoire du jeu, mais l'univers semble quand même vachement fidèle. Le seul petit bémol que j'ai eu pour l'instant au sujet de ce jeu, c'est que visuellement, c'était pas tip top. Alors que c'est dans un désert, hein, vous savez, on pourrait s'attendre à des effets de sable un peu impressionnants, etc. C'est dans l'ensemble assez limité. Les textures des rochers, du sable, etc. sont pas folichonnes. Alors après, peut-être qu'il y aura des zones plus sophistiquées dans le jeu complet, mais pour l'instant, visuellement, c'est pas au top. Mais par contre, si vous aimez l'univers de Mad Max, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser, à condition que le gameplay continue d'évoluer. En parlant d'évolution, les pièces que vous récupérez par-ci et par-là vous permettent de personnaliser votre voiture et augmenter ses compétences. Par exemple, vous pouvez la rendre plus stable avec des pneus, vous pouvez augmenter sa puissance en trouvant un V8, etc., changer sa carlingue, etc. Et vous pouvez aussi mettre des petits objets de personnalisation, comme à un moment j'ai battu un convoi. Bah, j'ai eu une tête de bébé, une poupée en forme de tête de bébé que j'ai placée sur l'avant de ma voiture. C'est super réjouissant, très guilleret, fleuri, joli, enfin formidable. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant au sujet de Mad Max qui sort au mois de septembre sur les consoles New Gen et sur PC. Je vous invite à me rejoindre sur Twitter pour qu'on taille le bout de gras, hein, comme on dit, @RomainMahut, et envoyez vos commentaires avec le hashtag E3GameBlog. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.